Tu es tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, je te remercie pour le sacrifice de la croix. Et quel que soit, Seigneur, là où nous en sommes, rien ne serait possible sans ce sacrifice. Quel que soit, Seigneur, le chemin que nous avons parcouru avec toi, rien ne serait possible sans ce sacrifice. Et Saint-Esprit, je prie afin que tu ouvres les yeux de nos cœurs ce matin. Les yeux de chacun d'entre nous, de ceux qui te connaissent comme ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Et Seigneur, nous prions pour une fraîche révélation de la croix ce matin. Une fraîche révélation de ton sacrifice, Seigneur. Du sens, Seigneur de la croix, du sens de ton sacrifice, du sens de ta venue sur terre. Ô oh, Père Très Saint, je te remercie de ce que tu attires à toi, des personnes qui ne te connaissent pas dans cette salle et des personnes qui ne te connaissent pas sur Internet aussi. Seigneur, touche les cœurs par ce message. Ouvre les yeux des aveugles, Seigneur. Ouvre les portes des prisons, Seigneur. Brise les chaînes des captifs et des captives, Seigneur, ce, ce matin. Montre-nous, Seigneur, la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus. Ce sang, Seigneur, qui nous a lavé de tout péché. Ce sang qui nous a réconciliés avec toi, qui nous a fait devenir enfants du Dieu très haut, Seigneur. Ce sang qui nous a apporté la délivrance et la guérison, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ta parole aujourd'hui qui va être accompagnée par des signes, par des miracles et des prodiges. Car ton évangile, Seigneur, ne consiste pas simplement en paroles, mais en puissance et en action, Seigneur. Et ta parole dit, Seigneur, que tu confirmes ta parole par des signes, par des miracles et des prodiges. Et merci, Seigneur, pour les miracles que tu libères ce matin. Les guérisons et les délivrances que tu libères ce matin, Seigneur. Et tout ça à cause du sacrifice de Jésus. Il y a 2000 ans, que ta présence soit manifestée comme jamais, dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit un grand ⁇ Alléluia ⁇ Aujourd'hui, c'est un message un peu spécial, mais c'est l'un de mes messages préférés, en fait. C'est le genre de message qui, qui me fait vibrer fait tu peux mettre tous les adjectifs tous les verbes que tu veux et c'est le message de la bonne nouvelle de jésus christ et quel que soit le niveau où nous sommes arrivés quel que soit l'endroit où nous nous trouvons avec le seigneur on doit toujours être comme un enfant devant le message de la croix parce que sans le message de la croix notre vie n'a aucun sens donc aujourd'hui j'ai deux nouvelles à vous annoncer une bonne et une mauvaise. Vous voulez, je commence par laquelle la mauvaise. la mauvaise. On est tous comme ça. On veut toujours. On, tu te dis d'abord la mauvaise et puis comme ça on oublie vite fait. Et après on va se concentrer sur la bonne nouvelle. Et même quand on était enfant, et peut-être que certains d'entre vous faites, vous faites la même chose. Il y avait quand notre maman, notre papa, notre, nos parents apportaient un plat sur la table. Il y avait toujours dans le plat quelque chose qu'on n'aimait pas bien. Et qu'est-ce qu que tu manges en premier est ce que tu n'aimes pas bien ou <laughs> Tu manges toujours les brocolis en premier, ou les choux de Bruxelles. Enfin, les brocolis, c'est bon, les choux de Bruxelles, voilà, il faut un peu plus de fois pour les manger. <laughs> Et donc, on gardait toujours le meilleur pour la fin. Et c'est un peu comme ça avec nous. On préfère entendre la, la, la mauvaise nouvelle. Et là, en fin de compte, c'est bien. Parce que la, la, la bonne nouvelle n'a pas de sens si on ne connaît pas la mauvaise nouvelle. Alors je vais vous, je, je vous dire, quelle est la mauvaise nouvelle La mauvaise nouvelle, c'est qu'à cause du péché d'Adam et Ève, quel que soit le nombre d'années que tu vis sur cette terre, tu vas passer ton éternité en enfer. C'est calme. Je ne suis pas venu pour entendre que je vais aller à l'enfer. Si, 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 si. <laughs> tu es venu ce matin pour entendre que la mauvaise nouvelle, c'est que tu vas en enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et tout ça à cause du péché d'Adam et Ève. Mais ce n'était pas comme ça avant. Parce que Dieu avait dit à Adam et Ève. D'être les, le, les maîtres, et c'est vraiment calme, ouh là là, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, je veux vite aller à la bonne nouvelle parce que là, ça j'en en enfer. Mais c'est bien, c'est bien de, de, de laisser descendre un peu. Mais avant, ce n'était pas le cas. Dieu a créé la terre pour les hommes et pour les femmes. Et il a voulu faire de cette terre une annexe du ciel. Il a donné à, à l'homme et à la femme un mandat. De faire en sorte que ce qui est au ciel soit aussi sur la terre. Donc un royaume de, de paix, un royaume d'amour, un royaume de justice, le paradis sur terre. Ça, c'était le mandat et la raison pour laquelle le Seigneur nous a, avait placé l'homme sur terre. Mais, il y a un mais. Dieu a voulu que chacun d'entre nous, nous soyons libres. Il a voulu commencer par Adam et Ève. Il n'a pas voulu faire des robots, il a dit OK, vous avez le choix de m'aimer ou de me rejeter. Donc je vais mettre un signe dans le jardin d'Éden, dans le jardin des délices, et donc vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez, enfin vous n'en mangerez pas, vous ne mangerez pas de ce fruit-là. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Qu'est-ce que ça veut dire vous mourrez Ça veut dire est-ce que vous arrêtez de vivre sur Terre Non, vous mourrez. Ça veut dire vous serez séparés de moi. Et le mot mourir, ça veut dire vous irez en enfer, vous et votre descendance. C'est ça que ça voulait dire mourir. C'est pas cesser d'exister sur la Terre, la mort du corps. C'est cesser d'être en relation avec Dieu, donc d'être de, de sortir de la présence de Dieu. Et quand tu sors de la présence de Dieu, quand tu sors de la vie. Quand tu sors de cette connexion à la vie, à l'amour, à la paix, à la justice, qu'est-ce que tu as Là où il n'y a pas d'amour, il y a quoi De la haine. Là où il n'y a pas de guérison, il y a quoi Il y a de la maladie. Là où il n'y a pas de justice, il y a quoi Il y a de l'injustice. Là où il n'y a pas d'harmonie, il n'y a que de la souffrance. Donc ça veut dire que si nous ne sommes pas connectés à Dieu, Dieu n'est pas un Dieu méchant, mais si nous ne sommes pas connectés à Dieu, nous, 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 nous ne pouvons pas bénéficier de tous les bénéfices et tous les, 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 euh, les effets d'être connectés à Dieu. Donc il a dit à Adam et à Ève, attention, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras, toi et toute ta descendance. Mourir, ça veut dire que tu seras séparé de moi. Plus de vie, plus rien, que de la souffrance, plus de lumière, que de l'obscurité, plus de, de, euh, de climat tempéré, le feu de l'enfer. Plus de l'air d'air à respirer. Tu vas respirer simplement le soufre de l'enfer. Mais ça. C'est de façon éternelle, tout le temps, des souffrances H24, à cause du péché d'Adam et Ève. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et pourquoi j'insiste tant sur la mauvaise nouvelle Parce que tu ne peux pas apprécier la bonne nouvelle si tu ne réalises pas. Si tu ne réalises pas de quoi tu as été sauvé. Et bien souvent, on dit :« Venez à Jésus et tout ira bien. » C'est pas la bonne nouvelle, ça. Viens Jésus et tu n'iras pas en enfer. Ça, c'est la bonne nouvelle. À quoi ça sert que tout aille bien sur la terre si tu passes ton éternité en enfer Et les hommes et les femmes courent après des choses de néant, après la célébrité, après le fait d'être riche. Riche en quoi Après le fait d'être euh, reconnu, d'être fameux. Mais ça sert à quoi si tu perds ton âme Ça sert à quoi si tu passes ton éternité en enfer Même si tu vis 120 ans, même si tu es 120 ans au top de l'affiche, que, euh, que tu éclates tous les, 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 euh, les concours de chant, de voice euh, et euh, tout le reste. Et qu'à chaque fois que tu sors de ta, de ta maison, tu as tous les paparazzi, tous les journaux qui, qui font ton éloge. Mais ça sert à quoi Si tu passes ton éternité en enfer. Et l'éternité, c'est très, 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 est-ce que j'ai dit très, très Très, très long. Et c'est pour ça que la vie sur Terre est comme un battement de cils. On n'a pas réalisé à quel point notre vie était fragile, mais en même temps était précieuse. Parce que ce que tu fais sur Terre va avoir un impact sur toute ton éternité, que tu sois chrétien ou pas. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Tout le monde est OK avec ça Tout le monde va en enfer OK <laughs> Non, je parle de la mauvaise nouvelle. <laughs> Et ça, c'était avant Jésus. Tu te rends compte Avant que Dieu se manifeste dans la chair, dans la personne de Jésus-Christ, tous les hommes, toutes les femmes devaient aller en enfer à cause du péché d'Adam. Parce que notre nature, qui était une nature divine, nous avons changé notre nature à cause du péché. Et le péché est un virus mortel qui est rentré dans la race humaine par Adam. Et vous savez que lorsque euh, euh, notre sang est infecté et que nous nous, nous, euh, nous nous reproduisons, ce qui est dans notre sang va se transmettre aussi à nos enfants. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam. C'est qu'il y avait un, 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 un virus mortel qui était transmissible. Ce virus s'appelle le péché. Est-ce que j'ai dit le péché Le péché, ce n'est pas un gros mot le péché. C'est la chose qui nous conduit en enfer. C'est la chose qui nous attache à la mauvaise nouvelle. C'est la chose que chaque chrétien, chaque homme, chaque femme sur cette terre doit détester plus que toute autre chose. Et pas dire jusqu'où je peux fricoter avec le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire la séparation d'avec Dieu. Ça veut dire que même si Dieu veut te bénir, il ne peut pas à cause du péché. Pasteur, jusqu'où je peux aller avec ma relation je suis, dans, je, vois, je, suis, je, suis, je suis fiancé, mais voilà. Euh, et bon, on va se marier, quoi. Donc... Euh, est-ce que je ne peux pas faire avec ma fiancée juste. Non, mon gars, c'est le péché. Amen. Si tu veux avoir un, un, un mariage stable, commence à investir dans une relation de sainteté. Amen. Amen. Dans une relation de pureté. Amen. Afin que ton mariage, ta relation, ait l'empreinte de Dieu. Amen. Afin que dans ton âme, il y ait l'empreinte de Dieu, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Le péché, comme l'a dit le pasteur Samuel la semaine dernière, c'est manquer la cible. C'est ça que ça veut dire littéralement. Manquer la cible. Nous n'avons qu'une seule vie. Et je ne veux pas manquer la cible avec la vie que Dieu m'a donnée. Amen. Amen. Euh, J'ai jusqu'à quelle heure Je ne me rappelle jamais quand on a changé de... L'appel, c'est à 11h15. Ok. Ça sera en une seule fois ce message, ne vous inquiétez pas. <laughs> Je ne vais pas vous faire le coup à chaque fois. Donc, la mauvaise nouvelle. Et c'est bien que, même en tant que chrétien, lorsqu'on prêche l'Évangile, de ne pas prêcher un Évangile à bon marché, de vraiment faire réaliser aux gens à qui l'on prêche, à qui on témoigne, que la seule façon d'aller au ciel, c'est Jésus. Et si tu viens à Jésus, ce n'est pas simplement pour être guéri. Ce n'est pas simplement pour être délivré et passer du bon temps sur terre. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais l'essentiel, c'est que tu n'ailles pas en enfer. L'essentiel, c'est que tu deviennes enfant de Dieu. L'essentiel, c'est que tous tes péchés soient pardonnés. L'essentiel, c'est que tous tes péchés, tous, tous 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 sois pardonné. Même les péchés que toi seul connais. L'essentiel c'est que tu sois délivré de la honte. Que tu sois purifié, que tu sois lavé. Et que lorsque Dieu te regarde, il prenne plaisir à toi. Ça c'est l'essentiel. Et c'est pour ça que tu as besoin D'entendre la bonne nouvelle. Comment faire pour que Dieu me regarde avec plaisir et non pas avec dégoût Vous, vous rappelez lorsque Jésus était sacrifié sur la croix, cloué sur cette croix, c'est la première fois où il a été séparé du Père. Pourquoi À cause de toi et à cause de moi. Plus précisément à cause de mon péché, à cause de ton péché. Il a porté sur lui tout, tous les péchés, toutes les choses dégoûtantes que tu ne peux même pas imaginer. Et c'était tellement horrible que le Père a détourné son visage du Fils. Tellement c'était dégoûtant, ton péché et mon péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix. c'est que Jésus a porté sur lui toutes tes fautes, toutes tes souffrances, toutes tes maladies, simplement parce qu'il t'aimait. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 9. nous dit, donc ça c'était tout de suite après la chute, après que Adam et Ève aient péché, il y a une chose intéressante, j'ai voulu savoir, un donné, j ai, j ai, euh, je suis en train de faire une étude par rapport aux questions dans la Bible. Donc les questions que Dieu pose, les questions que l'homme pose et les questions que le diable pose. Et c'est très intéressant. Et la première question que Dieu a posée dans la parole de Dieu, la première question, à un moment donné, je me dis, mais pourquoi Dieu pose des questions et c'est tout Pourquoi Dieu pose des questions Puisqu'il sait tout, il est omniscient, omniprésent. Et la première question qu'il a posée, c'est à l'homme. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu Et Dieu ce matin te dit Où es tu? Où en es tu aujourd'hui par rapport à la vie que je t'ai donnée? Hello? Est ce que tu es comme Adam et Ève qui se cachent lorsqu'ils entendent parler lorsqu'ils entendent la voix de Dieu? Ou est ce que tu es excité lorsque tu entends la voix de Dieu? Et tu n'as qu'une seule envie, c'est de courir dans les bras de ton père Ou est-ce que tu te caches à cause de ton péché comme Adam Et Dieu est obligé de te, 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 te dire, où es-tu Deuxième question, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. C'est la première fois que la peur arrive dans la parole de Dieu. Et avec le péché, il y a toujours de la peur. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. L'Éternel, Dieu, dit Qui t'a appris que tu étais nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger Où es-tu Est-ce que la vie que tu as est une vie de nudité Est une vie de honte Est-ce que tu es encore victime de ton péché, attaché à ton péché Et l'homme répondit la femme que tu as mise auprès de moi <laughs> m'a donné de l'arbre que j'ai et j'en ai mangé est-ce que c'est la réponse que le seigneur attendait adam écoute t'es passé à côté au moins assume mon gars et accuse pas le monde entier vous savez c'est ce qu'on fait nous aussi si je suis malheureux si j'ai péché c'est pas de ma faute c'est la faute de mon père, de ma mère, qui m'ont transmis ça. Et puis ils n'étaient pas si bien que ça, mes parents. Donc si j'en suis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute du gouvernement. <laughs> C'est la faute de mon boss, si j'ai réagi comme ça. Ce n'est pas la question que Dieu te demande. Il dit, où en es-tu Avec ce que j'ai fait de toi, avec ce que je t'ai donné. Est-ce que tu as... Écouter une autre voix que la mienne C'est ce qu'il est en train de dire. Et la première question du diable, première question du diable, et le diable ne cherche jamais une information, il cherche toujours à semer le mensonge et le doute dans ses questions. Première question du diable, Dieu a-t-il réellement dit Dieu a-t-il réellement dit que tu étais libéré de la honte, qu'il t'avait pardonné tous tes péchés, qu'il voulait guérir toutes tes maladies, qu'il voulait que, tu sois, que, que ta vie soit une vie d'abondance Dieu a-t-il réellement dit Et qu'est-ce que tu vas croire La plus grande puissance de Dieu, c'est l'amour. La plus grande puissance du diable, c'est le mensonge. Et la plus grande puissance de l'homme c'est le choix. Qu'est-ce que tu vas choisir de croire La vérité de Dieu ou le mensonge Amen. Et quand tu es pris la main dans le sac, n'accuse pas les autres. Dis Seigneur, je suis désolé. J'ai péché. Quelle que soit la chose que qu'on te fait, peut-être qu'il y a même eu de l'injustice qu'on t'a fait. Mais ça ne te permet pas d'agir dans l'injustice. Amen. Tu dois agir selon ce que le Seigneur a mis en toi et pas te, te livrer au péché parce que quelqu'un a agi avec injustice. Bien souvent, on nous dit s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de souffrance. Qu'il a déjà entendu ça s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ceci. S'il y avait un Dieu, j'aurais pas souffert. Y a un de... Voilà. Mais depuis quand la souffrance est une preuve que Dieu n'existe pas La souffrance et la douleur est une indication que quelque chose ne va pas quelque part. Hello Si j'ai mal aux pieds, c'est une indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon pied. C'est logique. Si j'ai mal à la tête, c'est une indication que quelque chose ne va pas dans ma tête. Et s'il y a de la souffrance dans le monde, c'est une indication que quelque chose ne va pas dans le monde. Et qu'est-ce qui ne va pas dans le monde On l'a vu tout à l'heure, le péché. C'est que Adam et Ève ont changé leur autorité et ont donné cette autorité au Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable. Et le diable est devenu le Dieu de ce siècle à cause du péché d'Adam et Ève. Et nous avons changé de nature et maintenant c'est le règne de la terreur, le règne du péché, le règne de la misère, le règne de la souffrance, le règne de la mort, le règne de la maladie et de tous les, les cousins et les cousines que le, que le, que le, que le, que le diable a pu transmettre à l'humanité. Mais on ne va pas s'arrêter là. Car la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et vous savez, de la même façon qu'on peut se poser la question pourquoi la souffrance, mais on peut se poser la question aussi pourquoi Jésus a souffert Pourquoi Jésus a tant souffert sur cette croix Alors on va répondre à cette question par... Alors vous allez prendre Ésaïe chapitre 53, et tout le monde devrait connaître ce, ce chapitre par cœur en tant que chrétien. Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, c'est toujours le cas aujourd'hui. Homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber, retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Vous savez, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, donc Dieu est un Dieu de justice et dieu ne peut pas laisser le, le péché impuni. donc chacun d'entre nous à cause de nos péchés même si nous avions fait un seul péché nous méritions la mort nous méritions d'aller en enfer nous méritions d'être de, de subir le châtiment de dieu. mais dieu qui est amour a voulu trouver un, un, quelque chose faire en sorte que les hommes n'aillent pas en enfer. Donc qu'est-ce qui s'est passé C'est que Jésus a dit, OK, je vais aller mourir à leur place. Je vais prendre une forme d'homme. Je vais vivre comme eux. J'aurai les mêmes tentations qu'eux. Mais la seule chose, c'est que je ne vais pas pécher. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de, de savoir que Jésus est venu sur la terre, que Dieu s'est fait homme, qu'il est venu dans le sein de la Vierge Marie. Okay. Donc il était fils de l'homme et qu'il était fils de Dieu en même temps. Et que Marie est, est, est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le sang d'Adam n'était pas dans l'enfant Jésus. Que le sang contaminé d'Adam n'était pas dans la semence que Dieu a mis en Marie. Et c'est pour ça que la nature qui a été plantée, cette nature qui a été plantée en, en, en Marie était une nature qui vient directement du ciel. Et c'est là que Dieu s'est fait homme. Amen. Donc Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, est venu comme un bébé le jour de la nativité. Est-ce que j'ose dire Noël Noël, ça veut dire nativité. Oups, j'ai dit un gros mot. Oups. La nativité, je peux dire la nativité. Jésus est né un jour. Et gloire à Dieu que Jésus soit né. Et les anges ont chanté. Et c'était glorieux lorsque Jésus s'est manifesté dans la chair. Parce qu'enfin, enfin... enfin on pouvait, on pouvait être libre de, de l'esclavage, libre de la mort. Enfin, notre champion, notre héros, pouvait marcher sur cette terre, marcher comme un homme libre, marcher en ayant vaincu la mort, en ayant vaincu le péché, en ayant vaincu la maladie, en guérissant tous ceux qui venaient à lui, mais bien plus que cela, en étant l'agneau, sans tâche. L'agneau sans péché qui pouvait s'offrir à ta place et à ma place. Merci Seigneur pour les miracles que tu as faits. Merci Seigneur pour les, les yeux des aveugles que tu as guéris et que tu continues à guérir. Pour les oreilles des sourds qui, que tu as guéris et que tu continues à guérir. Pour les morts que tu as ressuscités et que tu continues à ressusciter. Mais merci surtout pour le sang de Jésus qui m'a purifié, Amen. qui m'a lavé, qui m'a restauré, qui a restauré cette relation avec toi. Et maintenant, je ne suis plus séparé, mais je suis réconcilié à cause de ton sang, Seigneur, qui a coulé pour moi. Parce que tu as dit oui. Alors c'était difficile. Toi, tu as dit oui. Alors qu'il y avait ce combat dans le jardin de Jethsemane, où tu aurais pu dire non, toi tu as dit oui. Parce que tu as regardé que je n'allais pas passer mon éternité en enfer, que tous tes enfants n'allaient pas passer leur éternité en enfer. Et je veux que ma vie soit une vie dans chaque seconde, dans chaque minute qui te dise merci Seigneur. Que ma vie soit une réponse à ce sacrifice. Que ma vie soit une réponse à cet amour extravagant, Seigneur. Je ne peux pas vivre comme si tu n'étais pas mort sur cette croix. Je ne peux pas vivre comme si tu n'avais pas payé le prix. que ma vie, que nos vies soient une réponse à l'amour de Dieu pour nous. Visez l'excellence à chaque fois. Visons l'excellence à chaque fois. Dans notre façon de vivre, dans notre façon de parler, dans notre façon de regarder les autres, dans notre façon de servir. Dans notre façon d'aimer, dans notre façon d'encourager, visons l'excellence. Et que chacune de notre respiration soit une réponse à l'amour que Dieu a eu pour nous sur la croix. Amen. Alléluia. Peut-être que tu ne connais pas ce Dieu dont je te parle. La religion a défiguré Dieu. On nous a fait croire que pour aller au ciel, il fallait faire des œuvres. Si tu fais tant d'œuvres, et eh ben si tu fais plus d'œuvres qui sont bien que d'œuvres mauvaises, ben voilà, tu iras peut être au ciel, peut être, ce n'est pas sûr, si Dieu est, est, est de bonne humeur. Mais ça, c'est la religion, et c'est le mensonge qui vient, un mensonge qui vient du trou de l'enfer. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a payé pour tous tes péchés. Et la seule chose qu'il faut pour aller au ciel, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, de te repentir de tous tes péchés. Et de savoir que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu acceptes une nouvelle nature, tu acceptes la nature de Dieu dans, ton, dans ta vie. Et tous tes péchés seront oubliés. Même pas couverts, mais seront oubliés. Tu deviendras une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Mais la seule chose que tu as à faire, c'est de te repentir. C'est de dire, OK Seigneur, je te demande pardon, je ne savais pas qui tu étais, je ne savais même pas pourquoi j'étais sur cette terre. Mais maintenant, je réalise qu'il y a une fin sur cette terre. Et des fois, on ne réalise pas toujours qu'il y a une fin sur cette terre. On ne réalise pas toujours qu'un jour, on va mourir. Vous savez, 100% des personnes qui naissent meurent. Et on vit comme si on vivait éternellement sur la terre, sans s'occuper de notre éternité. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir l'assurance que si jamais tu mourais en passant les portes de cette église, tu peux être sûr d'aller au ciel. Comment Et tu peux aller dans toutes les religions tu peux aller dans toutes les philosophies dans le monde. Seuls les chrétiens savent, sans l'ombre d'un doute, que si jamais ils mouraient, ils iront directement au ciel. Pourquoi Parce que toutes les autres religions, c'est par rapport à ce que tu fais. Donc tu dois mériter. Mais on ne mérite rien, frères et sœurs. Nous sommes sauvés par grâce. Et nous allons au ciel, non pas par rapport à ce que nous avons fait, mais par rapport à ce que lui a fait. Amen. Nous allons au ciel par rapport à ce que Jésus a fait. Alors, est-ce que ça veut dire que je peux faire n'importe quoi Non, 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 non. Parce que quand tu réalises à quel prix tu as été racheté, alors tu ne veux pas faire n'importe quoi. Et tu ne veux pas retomber dans cette crasse, dans cette médiocrité, dans ces excréments dans lesquels tu te roulais avant. Mais tu veux toujours aller de gloire en gloire. Et ressembler de plus en plus à Dieu. Amen. Amen. Allez, je demande au groupe de louanges de, de venir. La bonne nouvelle. Dieu a fait de chacun de ses enfants des porteurs et des porteuses de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Pas des porteurs d'un message d'accusation ni de condamnation. Bien qu'il faille dire aux gens que sans Dieu, ils vont en enfer. Il y a une façon de le dire. Mais tout de suite, présenter la bonne nouvelle. Tout de suite présenter à quel point Dieu est un Dieu d'amour. Et que Dieu est venu et qu'il a prouvé son amour en mourant sur cette croix. Et qu'il nous a aimés à en mourir. Amen. Je demandais aussi aux, aux, aux équipiers de prière de venir aussi sur le devant. Et donc l'appel ce matin va aller vers deux directions. Première direction. Tu n'as jamais fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu n'es même pas sûr que si jamais tu mourais, tu irais au ciel. Donc, si tu veux être sûr d'aller au ciel, si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors je vais te demander de, de t'approcher. On va prier avec toi. Deuxième appel tu as connu le Seigneur Jésus dans le passé, mais voilà, ta vie maintenant, elle est complètement sans dessus dessous. -dessous. Et tu sais très bien que tu ne vis pas selon la nature de Dieu, selon l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Que tu as un pied dans le monde, et peut-être certains d'entre vous, vous avez les deux pieds dans le monde. Vous êtes retourné à votre, à votre ancienne, ancienne vie, et tu réalises que Dieu veut te restaurer. Alors viens aussi, on va prier avec, avec toi. Et troisième... Appel, j'avais dit deux. Mais il y en a trois. Parce que Jésus est venu pour pardonner nos péchés lorsqu'il est mort sur la croix. Mais la Bible dit aussi qu'il a porté nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc si tu es malade dans ton corps, peut-être que tu es même souffrant dans ton âme, alors on va prier aussi avec toi. Et Dieu va toucher ton corps, va toucher ton âme aussi et va prouver que sa parole est la vérité. Donc tu peux t'approcher aussi. S'il y a une maladie dans ton corps ou dans ton âme, si tu n'as pas fait de, de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors approche-toi et on va adorer le Seigneur en attendant. Amen.